Oui, l'islam politique est un ennemi mortel pour la République. Oui, il faut combattre toute forme de communautarisme. Gérald Darmanin, nouveau ministre de l'Intérieur, répond à cette sénatrice, Jacqueline Eustache-Brignaud. Cet élu Les Républicains s'inquiète de la propagation de l'islam politique en France. L'islamisme radical est polymorphe, s'insinuant dans tous les aspects de la vie sociale et tend à imposer une nouvelle norme sociale en se prévalant de la liberté individuelle. Un rapport sénatorial est présenté ce jeudi et propose 44 mesures économiques, éducatives, sociales et culturelles face à un phénomène que les membres de la commission qualifient d'écosystème islamiste. Le rapport préconise la réactivation de la police des cultes et le rétablissement de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. La commission propose également que toute association qui souhaite bénéficier de subventions de l'État s'engage à signer une charte incluant le respect des valeurs de la République. Ils réclament aussi la création d'une base de données des élèves scolarisés à domicile et dans les établissements hors contrat, mais refusent d'établir des statistiques ethniques.